Mon cher Émile, il y a longtemps que je t'ai quitté, mais je passerai te voir en février. Mon cher Savané, il y a longtemps, je t'ai quitté, mais je pense à toi. Mon cher Denis, je t'écris cette lettre pour savoir comment va ta santé. Ma chère Elisabeth, il y a longtemps que je t'ai quitté, mais je pense à toi. Mon cher Jean Pigozzi, tu passeras me voir un jour. Que sais-je dans ce monde si difficile et que dois-je enseigner à l'humanité? Des symboles tracés sur papier, sorte de dessin parallèle tiré de la cosmogonie BT, ethnie de l'artiste multidimensionnel Bruli Boabri. Quelques esquisses des 448 signes composant l'alphabet BT, un syllabaire et une écriture que l'homme, né en mars 1923 à Zépréguier dans le département de Daloa, voulait africain. Cette expression se dit si tu veux vieillir dans le monde, il faut être bon. L'œuvre littéraire et artistique de Bruli Boabri, toute une philosophie qui obéit à un seul principe,
faire connaître le monde et dès 1948, il se consacre à la rédaction de son syllabaire. Il fait déjà des émules. Voilà, notre sou, c'est l'arbre. Là, c'est la figure. On était dans le même quartier, à Marcory. J'étais seule à la maison pour passer mon temps. Je partais rendre visite à mon oncle. Et je suis allée chez lui uniquement maintenant pour apprendre cet alphabet. 28 janvier 2014, Brûlis Boisbré traverse le pont. D'aucuns diront qu'il est décédé. Lui-même définissait autrement la mort. Quand l'homme quitte la terre, il va dans un monde terre où les morts se regardent, se parlent. Mourir, c'est aller dans un autre empire. Frédéric Brûlis Boisbré est donc allé dans un autre monde. Son héritage reste cependant impérissable. Des centaines de manuscrits et des représentations de ses créations dans tous les grands musées du monde. Le poète, le dessinateur, le philosophe, l'encyclopédiste, l'artiste, le guide religieux, bref, l'homme aura œuvré utile pour la connaissance.